parasol et sable chaud, c'était une journée d'été avant l'heure sur la plage du lac de Biron. Profitez du beau temps au top. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Le soleil, la chaleur, le soleil. Mercredi, c'est les enfants. C'est une journée pour eux, donc on profite à fond. 32 degrés à Pau, 33 près d'Orthez. La protection solaire et le bain de fraîcheur sont indispensables. Elle est bonne, l'eau, on est bien. Il fait chaud, l'eau, ça fait du bien, c'est agréable. C'est nickel, le temps. On profite. Je vois Craig à faire le piqué dans l'eau. Vague ou dôme de chaleur, au-delà de la terminologie, ce qui interpelle les prévisionnistes de Météo France, c'est la précocité et la durée de cet épisode estival, un phénomène sans précédent à la mi-mai en Béarn. On vit un épisode de forte chaleur et on sera amené dans le futur à en vivre de plus en plus souvent à cette période de l'année. Là, on est au niveau des records. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on est au mois de mai, un mois avec la chauffe continuelle au cours du printemps. Le début mai est classiquement plus frais qu'une fin mai. Donc battre des records aussitôt dans le mois est assez significatif. Le mois de mai 2022 pourrait donc être le plus chaud jamais observé. Ce soir, le temps devrait tourner à l'orage dans quelques secteurs localisés du département. Mais les fortes chaleurs seront de retour dès vendredi et pour tout le week-end.